YouTube, j'espère que vous allez bien. On est toujours avec Geldas, encore et toujours. Il est 22h53. Bon appétit, enfin voilà. Amusez-vous bien, YouTube. Elle est une selle avec 4 potes, c'est énorme. Tu peux monter tout en haut de la cage et faire passer les autres à travers, puis leur sauter dessus. Encore un truc de barbare, hein, Geldas. Non, je rigole. Non, par contre, tu vois, c'est à limite. Tu vois, je préférais essayer, limite. C'est le UFC Throwdown, tu vois. FC Throwdown qui doit être par là normalement. Bon, je sais plus où il est, mais on se pas grave, on se retrouvera un autre soir. Et par contre, soit le FC Throwdown, tu vois, je serais peut-être plus chaud parce que. Bah, c'est de l'UFC. Enfin, déjà, premièrement, c'est de l'UFC, pas du catch. Non, bref. On va attaquer le jeu suivant. Alors, attaquer le jeu suivant. Alors, si je te dis que c'est un concurrent. Pas de fun UFC. Oh là. Si je te dis que c'est un concurrent. À Time Splitter. Non, Time Splitter. À Splinter Cell. Putain. Time concurrent à Splinter Cell. Metal Gear. Mais qui s'est adapté à un film. Tu sors des marteaux de sous le ring. Et ça a été adapté à. Plutôt, c'est un film au départ. Ça a adapté en jeu vidéo, mais oui. Ça fait très. Si t'adaptais par exemple Metal Gear et Splinter Cell en jeu, qu'est-ce qu'on sortirait par exemple, tu vois? Non, ouais, je rigole, de toute façon YouTube ils s'en foutent, ils ont le titre. C'est un jeu qui a été fait par Atari d'ailleurs. Je savais pas qu'Atari avait fait ce jeu. Ah, c'est marrant. C'est marrant que ce soit Atari qui ait fait ça. Sorti en 2004, du coup. Un joueur 4 blocs. Alors, your mission, votre mission. Si vous l'acceptez, est une mission impossible. Donc l'opération Surma. Aucune idée de là, c'est pas super précis. Oh bah voilà. De toute façon, j'ai là ce jeu. Tu veux plus jouer, tu peux jouer, c'est pas grave. Non, donc l'émission impossible. Fait par Atari. Avec un CD EUR sur une version UKV. Donc, encore une fois, bien vérifier le CD. Et là, visiblement, on a la ROM en anglais et le démarrage rapide en. Ça, c'est quoi ça? Non, le norvégien, c'est le rouge. Donc, ça, c'est suédois et finlandais et portugais. Alors là, c'est la première fois que je vois ça. On a du l'anglais, ouais, c'est ça. La tristesse de là, parce que dès que reconnu, c'était limite. Oh, mon Geldas. Il est triste. Ah, qu'est-ce que c'est que tu veux qu'on joue qu'après? À quoi tu veux jouer après celui-là? Ah, j'ai sorti un jeu, Geldas, je pense que tu pourrais vouloir y jouer. 2003-2004, donc vous voyez, donc c'est Atari. Puis après, le Paramount, et l'autre, je sais pas ce que c'est au milieu. Def Jam. Oh, regarde, ok. Def Jam. Pardon, excusez-moi. Il me semble Def Jam que j'en ai déjà fait un, mais je sais pas grave. On peut regarder. Il faut regarder sur la liste. Voilà. Ce qui a été déjà fait. Alors attendez, j'ai baissé un tout petit peu le son parce que je pense que ça a l'air marché un petit peu fort. Paradigme. D'accord. Paradigme. Ça me parle, Paradigme. Ils ont pas fait des jeux récemment, Paradigme? Ça me parle énormément. On verra bien. Nouvelle partie. Impossible ou facile? Facile, hein. Moi, je suis... pas bien balèze, ce genre de jeu. Je suis bien balèze, en général, dans les jeux. C'est le temps que je comprenne les jeux, souvent. Une fois que j'ai compris les jeux, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est de la merde. Ah, mais je peux la foutre à poil. Bon, bah c'est de la merde. Voilà, c'est une petite référence à ce qu'on a joué hier avec Geldas. Et d'ailleurs, tiens, Geldas fera qu'on teste le Peacemaker d'ailleurs. Un de ces quatre. Je sais pas si ça te parle. Faudra qu'on teste quand même un de ces quatre, le Peacemaker. Ce serait intéressant. C'est des jeux rétro, mais en multi, on peut jouer à plusieurs. Ce serait sympa, non? Je vais mettre à jour le titre du
stream du film, le titre du film. En tout cas, les petites intros est super sympa. Le quoi? Ouais, Pipaker, ouais, c'est un site en fait avec tous des jeux rétro et on peut se connecter ensemble et puis jouer ensemble. Ça peut être cool un soir. À se faire ça en, à se faire ça en live. Qu'est-ce qu'il a vu? Par contre, c'est quand même vachement propre. Hein. Il est en apnée. Et les mecs sont avec des armes automatiques sous l'eau. Non, avec des harpons. On va se faire strike la gueule, strike la gueule, striker. On va se faire strike la tête. Genre de chanter, je vais me faire engueuler. Après, parier que c'est un ouais. Gadget. Bonjour 007. Ah non, c'est pas ça. Bonsoir, monsieur. Je pense que vous connaissez déjà cet homme. Il s'agit de Simon Algo. Ouais, voilà. Officier des renseignements qui a récemment pris le contrôle. Un Simon, encore un Simon. Le coup d'état d'Algo était le. J'avoue, entre le slip d'hier et la musique d'aujourd'hui. Réseau d'espions est très développé et cet homme en fait partie. Mikhail Marko, ancien combattant en Bosnie, est l'un de ses plus fidèles conseillers. Ah, allez, on passe un peu le lore parce que ça quand c'est un peu long. Mais non, mais ça, il a l'air plutôt propre. J'ai rien dit du tout. Oh mon dieu. C'est bon, Luther, j'y suis. Mon dieu, ça marche fort. Et le boîtier de télécom? Il y a une cour devant toi. Tu le verras en entrant. Ça marche fort. Pirate-le et je jetterai un œil à leur système. Ça devrait suffire pour entrer. C'est bon au niveau du son, là on est bien, les Geldas là. Ah. Conseil de pro-déplacer. Éteindre l'acoustique directionnelle. Descendre par là du coup, faut descendre par ici. Attendez, la caméra de l'enfer. Ok, c'est pour sauter. Ah. D'accord. Naturellement tout seul. Il n'y a pas besoin de. Sur Y pour utiliser les objets. Allo, caméra. Caméra 1, ok. Caméra 2, ok. Alors, par contre, c'est marrant, c'est que le son marchait super fort tout à l'heure, et là maintenant, on n'a plus rien du tout, quoi. C'est infernal ces jeux. Équilibrer, c'est l'équilibrage des sons dans les jeux sont. Ah, j'ai pas suivi du coup, c'était marqué. C'était marqué. Briefing. Non, on s'en fout, c'est pas ça. Objectif. Non, c'est pas ça, j'ai plus, c'est pas ce qu'il faut. J'ai pas ce qu'il faut, au secours. J'ai pas de cerveau. Ils sont où? Allô? Où ils sont les méchants? Putain, c'est tellement sombre. C'est moi ou c'est super sombre et on voit rien? Ouais, bah dans.
Non mais genre il m'a vu alors que je suis planqué derrière le mur. Attends. Qu'est-ce qui se passe là? Aïe aïe. Moi je vais le tuer à la main moi. Excusez-moi. Pas masser leurs armes ou pas? Non, c'est discret comme approche. X, A, Z, R, A. C'est pas ce qu'il y a de plus discret, mais ah, mais donc. Oui, j'arrive. Alors, je vais ramasser une arme, mais après, je veux que quelqu'un de l'ennemi appuyer sur A pour le tuer en restant à couvert d'une icône apparaîtra. On est indiqué, attaquer. Ah, mais malheureusement, là, on pourra faire grand chose de monsieur là. Ok, les gars sont totalement aveugles. Ethan, dissimule bien les corps. La sécurité est renforcée par ici. Dissimule bien les corps, j'en ai déjà buté trois. Bon, c'est... ouais, c'est très très sombre. On voit absolument rien. Enfin, je me prends tous les murs, je suppose, parce que je ne vois absolument rien. Mais c'est quoi cette merde, là? Mais non, mais on voit rien, on est d'accord ou c'est moi? Les jeux d'ombre sont dégueulasses, hein. Attendez, je vais essayer de jouer sur le petit écran, parce que le petit écran est plus clair que l'écran que j'ai à côté. Et peut-être qu'avec un peu de chance... On voit rien. On voit rien du tout. On marche arrière, hein. On marche arrière, j'ai de la lumière. Mon dieu! On ne voit rien. On ne voit rien. Alors... Comment on fait pour être discret? Est-ce que seulement on peut être discret? Oui. Ah, ça y est, je suis invisible. Bon, je crois que j'ai plus de santé par contre. Je ne vois pas. Je le vois pas. On peut ramasser l'arme là, sans déconner? Non? Non, 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 non. On peut rien faire, on peut pas ramasser l'arme, on peut pas... C'est quoi cette... ce jeu, quoi? Simplement. Quelle est cette chose? Ah, il y a une caméra maintenant. Trop cool. Bon, alors elle dit... Il faut maintenir. N'essaie pas cette porte tant que tu n'as pas piraté le boîtier de communication, Ethan. Je ne suis pas magicien, tu sais. Le boîtier de communication. Enlève là. Bien joué, Ethan. Les mouchards sont... Oh putain. Oh, le son qui change. Oh, c'est totalement désagréable. Bien sûr. Et comment va notre amie de Virginie? Elle a livré son colis. J'ai envie de mourir. En quelque sorte. Le son qui change de force, de puissance en fonction de... Elle a hésité, et au lieu de l'endroit convenu... J'ai compressé ma voix à fond de balle, et je vous emmerde. Quoi? C'est bon, on va se débrouiller. T'inquiète pas. Je crois que j'ai plus de vie. Du calme, Ethan. Elle a fait ce qu'il fallait. Elle va bien? Ouais, elle revient. Bon, donne-lui un moniteur, pour qu'elle regarde et qu'elle apprenne. On dirait la voix de... comment il s'appelle, Bruce Willis. Sur Ethan. Écoute bien ton oreille un peu, tu vois. Pas lui, hein, l'autre. Maintenant, à toi de finir le boulot. Mon dieu, mais on voit rien! C'est quoi ça? Mais tu vois quelque chose là? Ouais, la voix de l'eau courte est assez courante aussi, mais je sais pas dire de qui. On va attendre que la caméra soit passée. On va courir tout droit. Caméra.
Si on passe en dessous de la caméra, elle ne voit pas, non? Si. Oh, ça pue, ça. Bon, bah, je suis rentré, hein. Y'a personne, hein, dans les couloirs. Ah, si. Mission annulée. Oh, merde. Mission annulée. Oh, mais attendez, le seul moment où on voit quelque chose, c'est quand je meurs. C'est quoi ce bordel? On voit rien. On voit rien. Bon, je fais une pause. Je fume une clope. De toute façon, on voit rien du tout dans le jeu. Je suis désolé, hein, mais j'ai pas joué à un jeu où il... Allez, les gars, on y va. C'est par là, à peu près, là. Si... Non. Le... Non, pas... Non, par là. Non. Attention, il y a un ennemi. Hein? Où ça? Ah, bonjour, monsieur. Vous allez bien? Ah, vous êtes mort. La lumière, je revois enfin. Putain, c'est quoi ça? Je vois la lumière, quoi. Oh, alléluia, tu vois, c'est... Ça y est, la lumière. Qui est la lumière? Oh merde. Bon, allez, je fais une pause de minutes, je reviens. YouTube, je fais des bisous, je redémarre juste derrière, je collerai les deux vidéos, et puis... Bon, non, même pas, en fait. Non, je ferai qu'une seule vidéo, une petite courte. C'était juste pour vous montrer... Ils sont impossibles... Bah, c'est ça, en fait. C'est ça, le titre du jeu. C'est Mission Impossible. Voilà, tout compris. C'est jouer dans le noir, par exemple. Donc la première mission, c'est jouer dans le noir. Bah, si tu joues dans le noir, ça marche pas. Donc, tu prends une grosse balle en pleine tête. Voilà, c'est ça. C'est des malins. C'est des malins. C'est pour pas qu'on s'attarde sur leur jeu. Tu vois. C'est ce qu'on appelle comment dans le jargon. c'est le gars. T'sais. En jargon militaire, c'est ce qu'on appelle une mission bien réussie, mon colonel. Il voit rien, hop, il est désorienté, hop, il arrête de jouer au jeu. Voilà, mission impossible. Voilà, c'est... J'ai envie de mourir, j'ai envie de mourir. Oh putain, ce jeu de merde. Ah, fallait essayer. Non. C'est, alors, je vais nuancer. Il est pas si moche. Au niveau des vidéos, au niveau des lancements, un truc comme ça, ils ont fait un petit kiff et tout. Par contre, il aurait fallu un petit peu éclaircir le jeu. Parce que, alors, soit les mecs, ils jouaient avec un écran qui leur faisait, en fait, qu'au bout de demi-heure, ils avaient la trace du bronzage sur la gueule, parce que je vois que ça, pour pouvoir jouer à un jeu qui est aussi sombre. C'est-à-dire que le mec, c'était un écran radioactif, t'es éclairé par derrière, là, avec, enfin voilà, tu vois, il passait des rayons X à chaque fois qu'il joue au jeu, quoi, pour vérifier que si c'était bon ou pas, niveau luminosité. Soit le mec avait vraiment des gros problèmes de yeux, d'œil, on s'en fout. Et là, pour le coup, oui, non, il y avait un petit problème. Bon, de toute façon, je fais une pause. YouTube, je vous fais des bisous, et puis, des gros amour, tout ça, sur la fesse gauche, sur la fesse droite. Et puis, demain, on se reverra pour un super jeu. Je vous fais des bisous, promis.